Bonjour, aujourd'hui j'aimerais parler avec vous de poésie. Je vous avoue que je ne suis pas la plus fervente lectrice de poésie, même si j'apprécie énormément la divine comédie, mais je la place dans une catégorie bien particulière. Aujourd'hui j'aimerais vous recommander deux recueils de poésie qui ne sont pas forcément très connus, dont l'un qui n'est pas en français, mais ne vous inquiétez pas, il est très accessible. Pour le premier recueil de poésie, j'avoue avoir été surprise lorsque je suis tombée dessus, étant donné que je ne savais pas que la personne l'ayant écrite était poète. Si vous connaissez la scène métal, je pense que vous connaissez le groupe Rammstein. Mais vous n'êtes pas forcément au courant, comme moi, que son chanteur, Till Lindemann, était également poète. En effet, il a publié en 2013 son propre recueil de poésie en allemand, et ce recueil a été traduit l'année dernière en français. Il est désormais publié sous le titre de Nuit silencieuse et est à l'image du chanteur, et permet d'en découvrir beaucoup plus sur lui, sur sa sensibilité et sur les thèmes qui lui sont chers. Si vous êtes déjà adepte de Rammstein, vous ne serez pas dépaysé en lisant le recueil de Till Lindemann. Pour le second recueil dont j'aimerais vous parler, il a été publié en mai 2022 et est écrit en italien. Nous n'avons pas encore de traduction française, mais j'espère qu'elle arrivera bien vite. Si vous parlez italien ou si vous souhaitez améliorer votre italien, je vous le conseille vivement étant donné qu'il est très abordable. C'est un recueil qui a été publié par une mannequin activiste féministe qui se bat pour le droit des femmes et qui se bat pour la reconnaissance de certaines maladies, dont l'une dont elle souffre. Mais comme elle le dit elle-même, ce n'est pas ce qui la définit. J'aimerais donc vous parler du recueil de Giorgia Soleri, publié en mai 2022 sous le titre de La Signorina Nessuno. Giorgia travaille depuis des années sur ce recueil et il a enfin vu le jour. Il est, comme pour Till, porteur de messages qui sont importants pour Giorgia et de sujets qu'elle souhaitait véritablement aborder. Je me permets de faire un petit bonus de recommandation qui n'est pas de la poésie à proprement parler. Je n'aime pas définir les gens par leur statut marital, mais étant donné qu'on le fait pour les femmes, je vais me permettre de le faire pour un homme aujourd'hui. Ayant parlé de Giorgia Soleri, je vais vous parler de son fiancé, Damiano David, et si vous reconnaissez son nom, c'est que vous connaissez le groupe Maneskin. Les Maneskin sont un groupe italien qui ont gagné l'Eurovision notamment il y a peu de temps. Et j'aimerais vous recommander leurs chansons en italien, notamment Coraline, Torna a casa, Le parole lontane et Vent'anni. Pour ceux qui ne parlent pas italien, et malgré mon accent, je vous rassure, je vous écrirai tous les titres cités dans cette vidéo en description. Je vous conseille ces chansons, même si vous ne parlez pas italien. Vous pouvez très facilement trouver des traductions en français, même pourquoi pas en anglais, qui sont encore plus faciles à trouver sur YouTube. Et ça vous permettra de découvrir cette poésie italienne à la Maneskin, ces thèmes qui leur sont chers sur la jeunesse, sur leurs 20 ans. Il était important pour moi de vous recommander ces deux recueils de poésie et ce groupe que j'aime particulièrement avec leurs chansons en italien, qui sont à l'image de la poésie moderne italienne. J'espère que vous aurez fait de belles découvertes. J'espère que vous serez un petit peu curieux d'en savoir plus sur les recueils dont j'ai pu vous parler ou sur ce groupe de musique. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et à bientôt pourquoi pas pour une autre vidéo.